Bonjour et bienvenue pour notre camp où il y a énormément de choses. C'est un peu incroyable. Alors, je fais des changements. Donc, on a toujours notre petite famille de rats qui marche très bien. Toujours notre cheval, ours, tout ça, les 5 chevaux et tout. Par contre, donc, on a tout ça. Ce sera pour manger, en fait, surtout. Donc, notre lait dominante est là. Honnêtement, le niveau 8, je crois qu'elle le verra jamais. Je pense qu'on va la retirer. Ça nous fera consommation 8 en moins. Ça serait bien. Je pense. Après, on a de la nourriture, mais bon. Ça part vite. Hein, parce que plus on faut de la nourriture et plus il faut la payer aussi. Donc, on a ça. Donc, après, on a le sanglier, donc niveau 8. Donc, je lui ai mis truffier. Honnêtement, les sangliers, quand ils sont au niveau 8, les sangliers qu'on peut attraper sont vachement bien parce qu'ils récupèrent sangliers d'élevage. Après, on peut sanglier de trait pour les faire porter plus. Et après, sanglier truffier, donc ils récupèrent des champignons. Bon compagnon, c'est bien aussi, mais c'est pas trop trop utile. En tout cas pour le moment. Parce qu'en fait, on a de la bonne nourriture. C'est-à-dire que ça fait toujours beaucoup de bonheur et tout. Donc c'est honnêtement pas extrêmement nécessaire. Mais voilà, quand les sangliers sont 8, en fait, c'est vachement bien. On a une lait dominante. Niveau 8. Donc elle, je lui ai mis le transport et tout. Et je lui ai mis par contre sanglier d'élevage. Comme ça réduit sa consommation. Parce que la consommation c'est de 8. Ah tiens, la consommation. Elle... Ça réduit pas à 2 normalement? Non, je fais pas de sa consommation de 2. Ah non, ça réduit la consommation de 2. Ça la met pas à 2. Ouais, d'accord, parce que les sangliers c'est 4. D'accord. Toi c'est 8. Hein. Si j'avais su. Je pensais que ça allait le mettre à 2. J'ai mal lu. J'aurais dû. Ben, j'aurais mis truffier à la place. Vous voyez? J'aurais mis truffier. C'est pas grave. Mais en tout cas, elle va devenir. Quoique, non, en fait. Non, 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 j'ai rien dit. Non, non. De toute façon, je voulais que ça soit d'élevage. Parce qu'on va pas la garder, elle. On va sûrement l'utiliser tout ça. On va manger d'abord les petits cochons. Puis après, elle, ça sera la dernière. Mais celle-là, ça va être notre nouvelle copine. Et honnêtement, 182 HP. 182 HP, j'ai mis pas mal de constitution et de mouvement. Donc elle est costaud, constitution augmentée de 5%, c'est énorme en fait pour les animaux comme ça. Donc ouais, c'est un mini tank, elle va vraiment pouvoir nous aider. Donc ouais, on est sympa là, on est bien, on est bien, on est bien, je suis content. On est toujours recherché par la police, enfin par la loi. On a plein de gemmes. Honnêtement, on est très bien. On est très bien. C'est juste qu'il faut mieux gérer notre production là. Alors, la force ouvrière, ça c'est fait. Je crois qu'on est en bordure de map. Ouh, ça lag. Je crois qu'on est en bordure de map. Je suis pas sûr. Oh, tiens, il va falloir qu'on s'arrête. Ok, maintenant on va manger. Ça va, aucun problème. Je crois pas qu'on ait des choses à faire, parce qu'on n'a pas de sel, ça fait longtemps qu'on est... Faut qu'on continue aussi à aller, à se balader en fait en forêt, parce qu'il faut qu'on baisse notre recherche, là, parce que sinon, honnêtement, ça va devenir relou d'être tout le temps recherché. Ok, on a des carcasses aussi. C'est vrai que j'avais un peu oublié ça. Donc ça, c'est les rats. Là, c'est les carcasses. Très bien. Et la nôtre, l'ancienne, la lait dominante ancienne, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait la virer maintenant. Ça nous ferait 8 de consommation en moins. Ce serait pas mal. On la laisse. Ou alors on la continue de la garder, et puis elle montera au niveau 8 à un moment, et puis elle deviendra.
On la mettra en trait, en élevage, pardon. Et puis voilà quoi. Peut-être faire ça à la limite. Attends, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je sais pas trop. Je sais, ça lag sur cet écran. Ouais, peut-être qu'on peut la garder à la limite. Pour le moment, on n'a pas vraiment trop de problèmes avec la nourriture. Alors. C'est Erico et Matfa. Excusez-moi, je vais juste vérifier parce que chaque fois, je suis pas trop sûr. Eric. Choc de culture, Erico et Matfa. Ouais, ça. Ça fait beaucoup quand même. Ah, le fait de ne pas pouvoir préparer la viande, c'est casse-cou. Ah oui, on a des gens à soigner, je crois. Taurus. Taurus, 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 il est où Taurus? Pas Taurus qui est... Ah non. Oh, c'est pas lui. Oupsie. Ah, Taurus, il est là. Voilà, nickel. Non! Ah, ça lag, hein, y a beaucoup de... Alors, oh, l'objet volé du coffre a été blanchi. Taurus a récupéré, trop reposé. Ok, nickel. Ça va, Taurus? À chaque combat, une nouvelle blessure. Je vais trouver l'huile pour cette vie. Prime de Russe. Alors, pas du tout. Non, non, non. Prime de Russe, ça augmente sa paye. Pardon. Je vais aller regarder. Je crois que c'est. C'est un pourcentage en plus. C'est pas genre, ouais, 2-3 pièces de plus. C'est genre 10% sur son salaire. Non, mais t'as qu'à. T'as qu'à pleurer, je m'en fous. Ça me fait chier, mais bon. Mais non, 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 je t'augmente pas ton salaire. Ok. On a l'arc. On a l'arc. Donc, War. On va mettre dans l'ordre. Donc, War, on a ça, c'est quoi? Ça, c'est le tir mortel. Ça, c'est le feu. Ça, c'est l'arc des trackers. Donc, 12 à 22. J'ai l'impression que l'arc de tracker, bon, il est stylé et tout, il est bien. Le problème, c'est qu'il est trop bas en niveau. Je crois qu'il est un peu trop bas en niveau. Parce que le tir mortel, c'est du 20 à 35 de dégâts. Et les dégâts sont augmentés de 50% si la cible est bas en vie. Là, on a du 12 à 22. Et après, c'est un coup critique assuré. Mais bon. Faut voir. Faut tester. On va tester. Bon, où est-ce qu'on va par contre? Je sais pas si on peut continuer ici en fait. Regardez. Champignons. Non, on est en bord de map. C'est pète ça. Oula. Des loups ça. Ça peut être intéressant. Des loups au niveau.
Quoique, quand ils se déplacent en forêt, ils sont pas très discrets. Hein. Enfin, nous aussi. Hein. Nous non plus. Ok. Il y a des loups partout. Ok, des marchands. Alors, ça je veux bien. Ça je veux bien. Alors, on a une armure à vendre. Je crois qu'on a que ça. Hein. Après, il y en a des bijoux, quoi. Ok, nickel. Marteau décoré niveau 6. Pas mal. Ce n'est point mal. Nous on venait d'où, attends. Il y a des bandits là. Et il y a quoi? C'est encore la map? Ouais. C'est bête qu'on atteigne comme ça les bordures de map. Il va être deux champignons. Ouais, ça, on y était déjà allé. Bon, on va retourner en ville, je pense. On va essayer de regarder ce qu'il y a dans cette forêt là. Ouh, invasion de rats. Ok. Cool. On va aller dans cette forêt. S'arrêter. Ah, on s'est fatigué super vite. Hein. On a fait de la forêt, quoi. On s'est fatigué méga vite. Très bien. Qui a besoin de récupérer? On a l'allée dominante costaud. Après le reste, ça va. Ouais, ça va. Je sais pas où on doit aller. Hein. Enfin, je sais pas où. Ce qu'on doit faire. La zone me paraît un peu petite en fait. Sanglier devenu gras, très bien. Et aussi quand on recrute, on a ça en plus en fait. On a un niveau en gros en plus. Et j'avoue que ça aussi maintenant
d'avoir des animaux en fait. Je vais arrêter de dire en fait. Attends, tu peux te mettre. Voilà, merci. Avoir des animaux comme ça qu'on recrute, qu'on kidnappe, enfin, non, qu'on recrute, ben c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, ils ont un niveau supplémentaire. Là, on est d'accord qu'on peut pas. Peut aller là. Oula. Il arrête de faire. Je pense pas qu'on puisse monter en fait. Non. Ah, la zone devient rouge petit à petit. D'accord, ok. Je viens juste de comprendre ça maintenant. Des trackers, yes, let's go. Ouf. Ça c'est bien ça. Putain, les mecs ils sont complètement perdus. Honnêtement, je pensais, on était tellement proche de la fin de map que je me suis dit tiens c'est mort, on va pas, on va trouver personne. Est-ce qu'il y a autre chose à fouiller? Alors, c'est toi le vendeur? J'étais mal équipé lors de mon premier face-à-face avec la meute fantôme. Non seulement j'ai failli mourir, mais j'ai aussi été un poids pour mes compagnons. Un délice des coteaux. Brouet d'anguille avec du mat fin. Ça, c'est pas mal, ça. Mais le brouet d'anguille, on n'en fait pas. Alors, renfort du tracker. Alors, projectile de qualité. Dégâts des attaques de tir augmentées de 10%. On a combien de... On a 220. Augmente maximum de terreur que peut subir un compagnon de 1. Charme de tracker. Ça aussi. Alors, il y a le renfort de chasseur, du chasseur. C'est pas mal ça, dégâts des attaques de tir augmentées de 1. Mais c'est quoi? C'est une recette bricoleur apprenti. Quoi, c'est un truc de ceinture? Comment je peux le savoir? Ça, c'est des renforts, ça le dit. Mais ça, c'est projectile. Renfort du tracker. Ce qui est intéressant avec les renforts comme ça, là, c'est qu'ils sont simples à faire, ceux-là. Du cuir, quoi. Là, c'est tissu. Genre, c'est quoi les stats? On a que 200. La recette a l'air pas mal aussi, mais bon, ça on n'a pas. Ouais, je prendrais bien ça. Ouais, c'est un accessoire de ceinture. Ouais, je pensais aussi que c'était un accessoire de ceinture. Ça marche. Est-ce que notre chasseuse, elle a un accessoire? Non, elle a pas d'accessoire de ceinture. C'est très bien. C'est très très bien pour elle.
Vous pouvez vous joindre à la traque si vous y tenez, mais faites très attention. Nous ne sommes pas ici pour du gibier ordinaire, mais pour la meute fantôme. Ces créatures n'apparaissent que la nuit, jaillissant sans prévenir de la brume et amènent terreur et désolation à ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Ceci indique l'endroit où se trouvent les traces les plus fraîches de la meute. Il faudra remonter toute la piste pour les combattre. Ça marche, merci. Ah, dans l'autre zone aussi, il traque des trucs invisibles. Peinture de guerre. La clairière de Tull, de Luderne. Okay, ça marche. Alors, personne n'est à l'abri de la meute fantôme, même dans la région aussi sûre et apprivoisée que Vertruse. Bon, merci. Merci beaucoup. J'ai vu un symbole là. C'est des animaux. Ils sont là. Alors maintenant on est où? Ah. On n'est pas allé à ces endroits-là. Prison de Vertruse. Yes, ça c'est intéressant. Grotte obscure. Ça c'est intéressant. On pourrait baisser nos soupçons à fond là. Enfin à fond. 3, ça ferait 2, 4, 6. Merci. On va mettre une corde après. Qu'est-ce qu'il y a? Personne à présent? C'est incompréhensible. Hier, nous avions 6 prisonniers et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. La serrure est intacte et le dernier larron refuse de raconter ce qu'il s'est passé. Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir torturé. Ok. Alors, on offre une récompense pour ceux qui ramènent les dehors la loi, comme vous le voyez. Non, pas de place. Pilori, c'est quoi ça? On va peut-être l'acheter ça. Le friandise, bricoleur. Voir les chaînes, 6 personnes, ça. 6. Vas-y. Tiens, on prend ça. Est-ce qu'on a autre chose à vendre? Je crois pas. Ça, parce qu'on va tuer un. Un truc dans pas longtemps. Hey, 15 champignons quand même. Hein. La lyre, j'ai envie de la garder juste au cas où. Je sais pas si c'est utile. Gros rocher. C'est bien, il me laisse travailler. Du grès. Du grès et du bois? Vous pouvez m'embaucher si vous voulez, mais je ne balancerai pas mes camarades. 1500. Mais on peut même pas. Ah si, on peut faire inspecter. C'est un guerrier rapide, tir au flanc, ronfleur, ah, super. C'est un trou creusé dans le sol de la prison, il fait trop sombre pour savoir où y mettre des cendres. D'accord. Yes. Je suis sûr que la grotte derrière, c'est là. Ouais, grotte obscure, tiens. Accéder à la prison, sortir. Je me suis cassé la jambe en m'échappant de la prison, alors les autres m'ont laissé derrière. Des fils de pendus. Pour un seul remède, je vous dis ce que je sais. Vas-y.
Ça faisait des semaines qu'on creusait ensemble. Il disait qu'on allait former une bande, qu'il connaissait une scierie abandonnée, pas loin de la frontière de Tiltren, où on pouvait établir notre repère. Mais dès qu'ils ont vu l'état de ma jambe, ils m'ont planté là, sans un regard en arrière, régler leur compte ou ramener les croupirs dans ce fichu faux, ça me fera plaisir. Tenter de capturer ou l'épargner. Je sais pas. Nelbert. Enfin, ça tombe mal, on est recherché, honnêtement. Donc, une scierie abandonnée, apparemment. Niveau 0. Waouh. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Allô? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouh, c'est bien ça. Je crois que ça bug là par contre. Ouais, une scierie abandonnée, du coup, on est à la recherche d'une scierie abandonnée. Sortir. Le coffre ici. Ouh. Est-ce qu'on peut dormir avec les trucs à côté? 10%, ça va. Tu vois un peu? Massade demain. Alors, fraternité inflige des dégâts à toutes les unités dans la zone. Les dégâts sont augmentés 5% si l'unité est engagée. Une massade demain. De très bon niveau. Massade demain de très bon niveau. Attends, toi déjà. Te vire. Sanglier gras. Alors, fais voir ce qu'on a des trucs à faire. Alors, projectile de qualité. Nickel. Hop là. Ah, du coup, elle a plus le critique. Ah merde, non, mais c'est pas un accessoire de sac, c'est un accessoire de ceinture. Oui, c'est vrai que j'aurais dû penser. Bah, du coup, t'as un peu moins de critique, mais ouais, t'as un 10% de dégâts en plus. Pas mal. Qui veut du critique du coup? Qui veut du critique? Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Taurus, ça pourrait être pas mal.
Que de toute façon, le poison, là, ça va bientôt partir. 15 de crit. Alors, qui c'est qui pourrait prendre... toi. Mais bon, le courroux est sympa. Torte. Il n'y a pas grand monde. Ah, Trit. Trit, parce que... Oui, en plus, regardez, elle a contre-cible engagée augmentée, et là, c'est dégâts augmentés contre les cibles engagées. Donc, ouais, non, non, ça c'est bien, c'est parfait. Est-ce que le bouclier, on a mieux ou pas? 22, 17. Par contre, il est en meilleur état. Attends. Oh, 3, 22, d'accord, ok. Il y a un bug d'affichage en fait. Voilà. Un 16, 18, 15. Ok, donc ces deux trucs, on peut les vendre. De toute façon, c'est les trucs qu'on avait craftés. Ouais, Trit, c'est bien, elle a trouvé son arme. Cool. Très très cool. Est-ce qu'on peut réparer les armes sans problème? Les armures. La 67, ça va. J'ai envie de dire, on peut. Ouais. Juste au cas où. C'est un 10% de se faire attraper. Hop. Non, on n'avait pas dit qu'on voulait d'abord soigner les rats. Et ben. C'est vrai qu'on en a beaucoup, putain. C'est con que ça soit de la viande crue, hein, mais... Ouais, c'est con que ça soit de la viande crue, parce qu'avec tout ça, on peut en faire des machins, hein, mais bon. Ah tiens, on peut profiter. Alors, du porridge, non. Ça, par contre, oui. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, on a un nouveau rat. Gain d'expérience au combat augmenté de 15%, on est revenu. Vas-y, remets-toi à t'amuser avec les copains. S'ils se plaignent que la viande est crue. Être recherché par la garde m'empêche de dormir, je n'ai pas arrêté de me réveiller en sursaut. Ah oui. Se rassurer, c'est de se détendre. Ou alors vigilant. Mais on se fatiguera. Non, mettre le groupe en alerte. Moi aussi, ça me stresse en fait. Alors, on avait. Est-ce que là, il y avait un camp? Y a pas un camp ici? Si, ça. Ok. On va descendre. Ah,
Donc une scierie abandonnée. Ancienne scierie, à droite. Ça peut être ça. On a des esprits. Ça sert pas à grand chose de combattre les esprits quand ça nous intéresse pas en fait. Domaine de Windfell. Ça intéresse un peu plus déjà. Ah oui, elle aura aussi. Ah mais t'es sérieux le casque? Juste maintenant tu... Excusez-moi. Bon, on cherche une scierie abandonnée. Désolé. Ah là, jamais au bon moment quoi. J'ai tout réparé, mon armure, je sais pas si c'était une bonne idée. Inspecter, c'est quoi ça? Voulez-vous ajouter des fleurs à la couronne des mariés? Iris des neiges. Eh oh, les iris des neiges, c'est méga chaud à récupérer. Enfin, c'est pas chaud, mais c'est chiant, quoi. Non. Alors, il y a un mariage. Les vignes ont fait notre fortune, mon fils est à... L'université de Gothenburg et ma fille se marient avec un homme de prestige. Cependant, cette maladie des raisins me préoccupe. Est-ce un mauvais présage? Devrais-je décaler le mariage? J'attends ce mariage avec impatience. Il est d'usage de laisser un jour de congé aux esclaves et aux domestiques à ces occasions. Dommage que cette famille n'ait que deux enfants. Voulez-vous ajouter à votre part un banquet aux mariés? Putain, regarde ce qu'il y a. On va pas commencer. Vous êtes venu féliciter ma fille, c'est un très bon mariage qu'elle fait, n'est-ce pas? La participation à la couronne de fleurs et au banquet est ouverte à tous. Profitez-en, cela porte bonheur. Combien? 5? Ah, je crois que c'était 15. Ça va. Ah, je sais pas, j'ai lu 15. En fait, c'est 15 influences, mais c'est 5. Okay. Vas-y, tiens. Ça porte bonheur, des conneries, ouais. Bon. Bon bah, c'est fun. Attaquer la caravane et capturer la femme qui s'y trouve. Ah putain, me dis pas que c'est une caravane. Ah. Je crois qu'on l'a trouvé. Bonjour. Koren, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Non, mais non, on n'y arrivera jamais, quoi. Ah, mais plus jamais on retourne dans le verre, en fait. Honnêtement, je crois que je vais faire une session où je ramène plein de gens, quoi. On va faire peut-être un épisode où on capture des gens et on les ramène en prison, quoi, parce que là... Je vais regretter tout ça. Ok, ce qui est bien, c'est que c'est la nuit. Bon, ils sont que 9.
Koren. Cette unité est un personnage important. Si cette unité meurt, vous devez relancer le combat. Stylé en plus. Taurus. Voir, faut qu'elle teste son arc. Il faut. Mener fera l'affaire. Unité rivalisée sont engagées. Ok, ça devrait pas poser trop de problèmes. Il y a juste elle. Elle, on va la faire tanker par le cheval, honnêtement. Parce que du coup, elle va se prendre quelques petits dégâts, petit à petit, quand elle tape. Et le cheval, il fait pas très mal. Peut toucher les trois. Yes. Pas mal. Pas mal. J'ai mis Walker. Orline. Bien joué. Bien joué. Ok. Doucement. Ok. Prochaine, c'est toi. Après, ça va être toi. Bien. Oh, il y a Trit que je voudrais tester là. Tu veux voir un peu? Elle est où? Trit, elle est là. Elle est en. On va pas défoncer l'autre. Après, c'est pas des unités engagées, donc c'est un peu con ce que je fais. J'avais légèrement oublié comment ça fonctionnait. Légèrement zappé le fait qu'il fallait que ça soit engagé.
will. Très bien. Ah putain. Je voulais aller derrière et tuer. Alors, ah oui, donc on va tester elle. Fais-moi rêver. 62 de dégâts. Intéressant. Je crois qu'elle faisait un peu plus. Ouais, oui, normalement. Elle faisait plus en critique avec l'autre arc. Mais du coup, bon, il faut qu'il soit à 35% ou plus bas. Donc du coup, je pense. Je pense que ça vaut le coup. Puis c'est vrai qu'elle a plus besoin du pourcentage de critique. Je pense que ça vaut le coup. Ouais. C'est un bon arc. Oui, c'est un bon arc. Constitution de réduire une moitié alors que t'as quand même 150 HP quoi. Oh le lag. Alors j'avoue que je fais des rendus en même temps. Attendez, excusez-moi. Les rendus en même temps parce que je suis en retard en fait sur ce que je voulais faire. J'avoue que le problème d'optimisation en plus de ça, ça aide pas. Je suis conscient. Peut-être que je leur donne des noms. Aux bestiaux et tout là. On va pas l'appeler Winnie l'ours quand même. Si. Par contre, de récupérer des laits là. Au lieu de cochons normaux, enfin de sangliers normaux, c'est vachement puissant du coup. C'est vachement puissant. Parce que en combat, c'est beaucoup plus utile qu'un sanglier normal, et puis ça peut donner aussi de la nourriture quoi quand on le met en truc d'élevage. Ça, c'est vrai que c'est un gros avantage en fait. Ah. C'est vrai qu'on la contamine. Est-ce que c'est grave de la contaminer?
Bon, par contre, putain, faut que je bouge les rats parce que je peux pas l'attraper. J'ai un peu oublié ce détail. Oh, même toi. Oh. Oh là là. Je sais pas si elle a du... Non, je crois pas qu'elle ait du chloroforme. Elle vient avec nous. Ça va, tu vas être empesté. La peste et tout. Il y a un truc, il y a War qui est devenu beaucoup plus puissante maintenant. Parce que on a tellement d'animaux, comme j'ai dit, de les choper avec les... Avec les, tous les animaux, en fait, les rats et tout machin, si on a plusieurs plusieurs en fait chasseurs avec un arc de tracker, honnêtement, c'est ouais, ça peut foutre le bordel, ça peut être bon. La ferme que vous avez capturée semble être importante, la garde des Frétiennes sont en alerte. Yeah, c'est trop bien. De mariage. Fournissez des gemmes. Vendre 3 draps. Ça, c'est le repère. Apparemment, il y a des feux d'artifice. La demeure de Lazare, femme fatale. Ok. Je vais voir un peu. Est-ce qu'on l'a ? On l'a. Tueur à gage niveau 6. Ok, on peut rien en faire. On peut strictement rien en faire. D'accord. Comment ? Du coup, je peux pas retourner en ville. Faudrait que je puisse retourner en ville. La fraternité, c'est eux, du coup, pour... Ah, merde. Camper dans la broussaille, hop. Ah non, la forêt. À 10%, ça va. Ok. Toi, petit rat... Ah, on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Alors, toi. Capacité d'évasion, 0. Très bien. Ah, je peux pas te bouger. Inspecter. Non, je peux pas la déplacer, ok. Ça marche. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah du coup... J'ai hâte que la hache aussi soit faite. Ça nous fait tellement de viande presque gâchée. De toute façon, là, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Hein. À part commencer à bouffer tous les plats, en fait. Mais moi, je voulais garder, bon, surtout les entre les tartes et les haricots, là, je veux mixer les deux, parce que ça donne des meilleurs bonus. Donc, c'est pour ça que je les garde. Donc ouais. Tout simplement, c'est pour ça. Hop.
Ouais, non, moi je les garde juste pour ça, hein. Y a rien d'autre. Non, mais toi là, t'avais raison. Ça fait mieux. Encerclement, très bon. Est-ce que on a besoin? Non, on est bon. Il y a un râteau à la limite qu'on peut soigner. C'est pas lui. Très bien. Râteau pas récupérer une blessure. On a un rat en plus. Ça marche. Je me demande si on reset les gens. Est-ce qu'ils vont avoir un bonus en plus? Ou on reset juste les skills, les habilités en fait, peut-être. Je sais pas ça par contre. Ok, on est bon. On va rendre la femme. Du coup, c'est là-bas. Donc on continue à éviter les grandes routes. Hein. Ok, on est redescendu à une étoile. Okay. Par contre, on va aller voir ce que c'est là-bas. C'est pas la Syrie abandonnée ou alors c'est celle qu'on avait vue sur l'autre rive. Oh. Les soldats, pas très loin. Il faudra faire gaffe quand on sort. Oh, c'est à moi, ça, c'est à moi, c'est à moi. Ouh. Yes, à moi. Yeah. Et mon nom dessus. Connaissance, très bien. Ça, on vendra aussi. Alors. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Alors que je pensais que ma fortune était faite, faut-il que le destin me punisse ainsi? J'ai passé 5 ans sur cette tapisserie. Ce chef-d'œuvre devrait me rendre célèbre dans tout Gothenburg. Et voilà qu'en une nuit, le travail d'une vie disparaît. La garde m'a dit d'arrêter de chercher et ma tapisserie avait depuis longtemps passé la frontière et qu'on ne retrouverait jamais. Je n'ai plus mes yeux à pleurer. Hé, on l'a! Tapisserie précieuse! Elle servait de bâche pour une tente, mec. Mais c'est ma tapisserie! N'est pas le mot assez fort pour exprimer la gratitude. Tenez, récompense apparente. Ça tue. Oh, le truc complètement au hasard. C'est énorme. Ça. Ouh, c'est en or en plus. Ce mouchoir est sans aucun doute la chose la plus charismatique de votre troupe. Un simple coup d'œil et sa dentelle, à sa dentelle éclatante et on considère son porteur comme quelqu'un de respectable. 45 pièces. Bonus à une chance que l'objet volé ne soit pas considéré comme volé. Oh. Alors là, on a une chance que l'objet volé soit pas considéré comme volé, et après on a le soupçon qui est amoindri. Bon, le soupçon de base il est déjà amoindri parce qu'on a, on a, lui, il est augmenté de niveau et tout ça. Ah, c'est peut-être mieux, ouais. Peut-être mieux, peut-être plus intéressant. Alors, nous sommes drapiers. Si vous souhaitez nous acheter un tissu, je puis vous assurer qu'il est de meilleure qualité. Ouais. Par contre, tu peux m'acheter des choses. Bon, le tir mortel, on le vire. Je pense. Le tir mortel, on va le virer. Potentiellement, c'est mieux. Mais il faut que ça soit 35%, machin, tout ça. Alors que là, elle va faire critique sur critique, en fait.
Je parle de War. Est-ce qu'on a beaucoup de graisse? 124. Par contre, vu qu'on parle de ça, je suis en train de me demander, est-ce que War, parce que là on a 10% de dégâts, critique 40%, est-ce qu'on lui mettrait pas ça du coup? De dégâts critiques. Est-ce qu'elle ferait pas plus de dégâts? Qu'est-ce qu'on peut te mettre, toi? Fétiche des anciens. Chloroforme. Ta volonté combien de 14? Chloroforme, ouais. Techniquement, 10% de dégâts. Et là, dégâts critiques, c'est à 15%. Techniquement, elle devrait faire encore plus mal. Je crois, faut faire des tests. On avait fait quoi? 62 de dégâts, je crois. Ah putain, mais faut passer. Faut passer là. On peut faire ligne droite et éviter les routes. On va récupérer tout ça. Je pense que c'est mieux. Ah non, je pense qu'elle ferait plus de dégâts, en théorie. L'ours, il branle que dalle. Hein. L'ours, il devrait être là à nous. À nous prendre des poissons, il fait rien du tout. Alors, nickel. Tour de la sentière est devenu un lieu dangereux depuis que les bandits sont partis. Il est grand temps de la déloger. On a 300 d'influence. Très bien. Eh bien, voilà, c'est pour ça que je voulais voir, parce que je me rappelle pas avoir trouvé une tour, en fait, d'avoir jamais vu une tour ici. Donc je me suis dit, ils vont sûrement nous la montrer, sûrement un objet qu'on n'a pas vu. C'est nickel. Vous imaginez, on arrive genre ici et les mecs nous voient débarrouler avec plein de sangliers, des rats et tout ça. Genre, mais ils pètent un câble en fait. Ouais, voilà, c'est pour un 610, c'est ouf. Une brute. Ils sont à peine niveau 4 en plus, hein. C'est même pas des mecs. Brute. J'ai l'impression. Ah, j'allais dire, les archers, c'est très rare. On a un archer là. On a un archer. Toute façon, on peut pas.
Ah, attends, j'ai des trucs à vendre. On va le faire au forgeron. Alors, on a ça. Oh, j'ai pas appris ça. Alors, chance de capturer un animal augmentée de 15%. N'importe quel dompteur le dirait. Les bêtes et les hommes sont avant tout guidés par leur ventre. Accessoires de ceinture. Et là, on a quoi? Compagnons assignés. Les prisonniers assignés ne peuvent pas s'enfuir pendant le repos. Oh. Sans déconner. Ah bah voilà, ça tue ça. Ça tue. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Votre troupe peut indiquer un objectif sur la carte avec ça, de façon à pouvoir se repérer. M'intéresse. Pierre de l'Est. Ah, mais attends, on a des nouvelles choses ici. Attends, on a une nouvelle chose, j'ai un livre à apprendre. Pierre de l'Est, très utile pour se débarrasser d'un cadavre encombrant. Cette pierre taillée permet aussi un meilleur équilibre au combat. Précision. Plus 10%. Précision. Ils réservent quoi, cette précision? C'est rien. Ah, on est l'âge de lancer en givre acier. Oh, c'est niveau 8, hein, mais c'est pas pour aujourd'hui. Ça sert à rien d'en apprendre plus, on n'a pas de sel. Fiole des marées. Fiole des marées, ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi. C'est intéressant. Je trouve qu'on a un peu trop de choses comme ça, d'accessoires de ceinture. Je trouve qu'on en a un tout petit peu trop dans le jeu. Ou alors il faut que je remplace toutes mes bestioles par des mecs, mais bon. Enfin, après, il y en a tellement. Genre, qui a le chloroforme? Qui a machin? Qui a ça? C'est. Ah, ça va faire beaucoup, hein. Ok, on est bon. Alors, est-ce qu'on voulait crafter quelque chose? Je ne pense pas. Je crois qu'on peut faire des armures pour se faire de l'argent. Mais c'est tout. Pas vraiment besoin d'en faire plus que ça, quoi. On est à combien? On peut peut-être un peu continuer. Par contre, ouais, non, ils sont pas à bouffer. Enfin bref. Pas grave. Alors, fais voir la carte. Ok, on y est presque. Par contre, il faudrait éclairer cette zone. C'est pas grave. Tiens, qu'avons-nous là? Livret. Coren.
Comme j'ai bien fait de vous embaucher, cette femme me posait tellement de problèmes, et tout d'un coup, la voilà entre mes mains. Prenez donc cette récompense et remerciement de toutes les nobles familles d'Eldar. Essence vierge, ouais, essence vierge, ça tue. Honnêtement, ça tue. Un petit sourire inquiétant flotte sur les lèvres de Bonnie Eldar à Lazare. Ok. Je le considère ici chez moi. Ok. Bon, bah de rien, au revoir. Ah, attendez. Du vin. Non. Non, nous, ce qu'il nous faut, c'est... Choc des cultures, les gars. Choc des cultures. Nous, il nous faut de l'eau de vie. Ce qu'il nous faut, nous. Bon, bah ça va, on a bien avancé. On a très bien avancé. Une rumeur court, révélatrice de la fiancée du négociant Clément Alm a disparu. Ah. C'est con, hein. Est-ce qu'ils vont vers nous? Non, ça va. Oh! Yes! Donc on a arrêté leur ouais, le mariage, quoi. On va pêcher. Ah, ils ont fait demi-tour et tout, hein, les machins. Bon. Bon, là on peut pas y aller puisque c'est fin de map, je crois bien. Alors on a la tour à faire et on a ça. Arène de Smoth, on n'est pas allé aussi. Ok, on peut faire la tour. Bon, par contre, il faut revenir ici. C'est un peu galère parce qu'il y a beaucoup de gardes. C'est qu'on va devoir se reposer en fait. Ouais. Ah, on est mal mis, il y a des bestioles ici, quoi. Sans déconner. Cent 80%, putain. Ah, ça va. Ouf, un peu mieux déjà. Ok, champignons, c'est pas mal. Ah oui, avant. Toi, t'es apprenti, tu peux pas faire les plats. Ah si, tu peux faire les plats. Ça y est. Bon, tu peux pas faire les chocs de culture, par contre. Mais c'est pas grave. On a lui. Yes. Pas mal, pas mal, pas mal. Un bon gros repas.
Ce genre de jeu, s'il avait genre plus de une plus grosse équipe et tout ça, on pourrait faire de genre d'avoir des cinématiques et tout, en train de voir nos mecs là manger et tout ensemble et tout, ce serait trop classe. Alors, ça. Et après, ouais, je pense qu'on est bien. Le fromage, on l'utilise pas, les champignons non plus. Est-ce qu'on veut soigner quelqu'un? La lait. Parce que les laits, elles sont bien quand même. Elles sont efficaces. Ah oui, on peut faire des trucs aussi. Attends, attends, tu peux faire plein de trucs maintenant. Donc ça, c'est un accessoire de ceinture. Champ de capturé qui augmente. Pour les animaux. Crochet. Ah, le chloroforme, ça ne marchait que pour les humains, en fait. Je suis bête. Non? Alors. Pylori. Ça, c'est bien, ça. C'est vachement bien, ça. Voir si on met quelqu'un, ça fait quoi? What the fuck? Tu peux mettre tes propres mecs? Genre, ah, tiens, je décide de dormir attaché. Les prisonniers ne peuvent pas s'enfuir pendant le repos. Donc c'est cool, on peut le mettre où on veut en fait. Enfin, mais du coup par contre, j'imagine qu'ils vont pas être heureux quoi. C'est vraiment les prisonniers qu'on veut pas garder en fait. Je le vois comme ça parce que bon. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça va, c'est marrant. Je trouve ça sympa. Relations sont améliorées. Objet de voulu a été blanchi. Récupère d'une blessure. Un nouveau rat. Ah, attends, peut-être que je devrais pas le mettre là. Ainsi. Parce que j'ai remarqué que le rat apparaît sur la gauche, en fait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Orline. Alors, parfois j'aimerais qu'on s'arrête dans une région et qu'on ne bouge plus. Alors, bon, boudeur. Bavarder sur la route à propos de l'aventure. Et endurer. Ah, tu vas bavarder. Je crois que c'est par ça. On a l'option de bavarder en fait parce que c'est ses amis qui lui disent. Genre, c'est pas genre aléatoire. Je crois que c'est les amis proches, en fait. Ils disent, ils nous donnent une troisième option pour chaque personne. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je suis content pour le pilori, là, comme ça. Putain, ça tue. On aura plus besoin de les foutre, là. On se faisait tellement chier à les foutre dans le camp et tout ça. Très, très relou. Bon, du coup, on n'a plus aucun objet volé. C'est très, très bien, ça. Alors, Taurus. Hop là. Si la cible est engagée avec celle qui a passé avec une attaque d'opportunité. Et là, t'as dégâts d'opportunité 9%. Ça va faire mal, mec. Ça va faire mal. Du coup, on la vend, cette hache? Qui c'est qui veut prendre les haches après? On n'a pas grand monde pour les haches, je crois. Non, on a beaucoup de masses. On a beaucoup de gens avec des masses, en fait. Ouais, on a 1, 2, 3, 4. 4 pour les masses.
Ouais, c'est chaud, hein. Il y a très peu de gens pour ça. Du coup, on la vendra. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Prochaine fois, on va pas faire les rats. Les rats, on le fera beaucoup plus tard, quand on aura plus ou moins fini la zone, je pense, de l'histoire et tout ça. Comme ça, on sera un peu plus haut niveau et tout, et on pourra récupérer plein de récompenses. On va faire la tour. Comme ça, on fait directement la tour. Écurie. La grande évasion. Faut faire ça à la reine aussi. L'enquête de la fraternité. Il y a sûrement ce ici aussi. Il y a une route et tout. Enfin, peut-être c'est cette route en fait. Peut-être qu'on peut pas y aller. Je sais pas. Mais ouais, on a plein de choses à faire encore. Ça marche, c'est cool. On a de la nourriture, ça va. L'argent, ça va. Non, ça se passe bien. On a juste une équipe un peu fofolle, mais ça va. Ça se passe plutôt bien. Voilà. À la prochaine. Ciao!